Job, chapitre 20. Tsophar de Naama prit la parole et dit « Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée ? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront « Où est-il ? » Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes. Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine.